Pour 1 million de dollars à choisir, tu préfères faire un round avec Francis Ngannou ou alors même round infini contre un gars qui est à ton poids et qui est pareil que Nate Diaz, c'est-à-dire increvable et en gros c'est l'enfer pendant des rounds infinis. Ah ça va, ouf. Ouais, sur Francis, on sait jamais, je bougeais, et même c'est kiffant. Tu vois, tu dis que t'as affronté Francis Ngannou, c'est dingue. La chose la plus illégale que t'aies faite dans ta vie. Ouais, je passe. La pire blessure que t'as infligée dans un combat. L'Argentin, sa tête a été gonflée. Mais même le Mexique, en fait. À l'aéroport, de ce qu'on m'a dit, il vomissait et tout. Il était dans le mal, ouf. Ce serait qui le sparring de tes rêves, le mec avec lequel tu rêverais de sparer? Floyd, depuis que je suis petit, je regarde ses vidéos. Même si c'est sans appuyer, tu vois. Mettre les gants qui me montrent un peu, ça va être lourd. Je pense pas qu'il a perdu sa technique.